chèque cop ou est sous en bonne santé, vin ou est sous légal dans le pays. Mais bonne nouvelle là, l'association des pasteurs de Homestead a invité tout le monde Homestead, Naranja, Florida City, Kendall, dans une grosse communauté faire qui a fait 1er juin 2013, coul 11h dans le matin. Nous tous prêts dans Harrisville, qui place dans 1034 North East 8e Street, Homestead. Vine faire un check-up pour être sous en bonne santé. Vine ouin si ou légal dans le pays. Dans une grosse communauté faire qui a fait 1er juin 2013, coul 11h dans le matin. Avant bénédiction à tomber, faut que nous checker dans nous, oui c'est vrai, mais quand nous tout pour nous jouer bénédiction. Bienvenue. Un cordial salut à vous tous, ici Emmanuel et Zemoressin qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ma journée. Comme vous le savez très bien, au sommaire de ce numéro, vous avez la réflexion du jour, les nouvelles internationales et la chanson du jour. Pour commencer, je vous offre une jolie chanson titrée « Un homme averti ». Écoutez la musique maintenant sur nos ondes. C'est un vrai new MC. Un nouveau reste de DJ qui a un message à passer. Non, non, moi c'est la SMC. Soldat, mon Dieu, soldat, la clé, l'état m'école. Un homme a perdu en vos deux. À la fin, mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Non, 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 Dieu au milieu des cieux ne souhaite que nous accueillions quand on ferme les yeux. Y'a royaume, un homme a perdu en vos deux. À la fin, mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Dieu au milieu des cieux ne souhaite que nous accueillions quand on ferme les yeux. Je viens de chanter ce qui se passe aujourd'hui dans tous les foyers et les rues d'Inamadi. La haine, l'envie et la jalousie pourrissent le cœur de youth et noircit leur esprit. Nous vivons dans un monde de... Sur cette note, je salue Gerline Touzin, Madame Enel, 100% fanatique la caille. Et je sais que la fête des mères arrive dans nos murs d'ici à dimanche. Ce sera la fête des mères. C'est la musique pour saluer Madame Enel qui écoute Radio Respiration FM. Maintenant, nous allons le faire. Jacques Nancius, allons-y. Un homme averti, hein, c'est chaud sur nos ondes. L'argent est un maître pour lequel il s'entretue. Il ferme le mal et ne s'en cache même plus. Mais viendra un jour où Dieu réclamera son dû. Il ne souhaite t'aider quand on te met la vie dure. Le protéger du mal et ses pensées impures. Alors, aie confiance, adresse-lui un murmure. Pour qu'il t'assure un meilleur futur. Un homme averti en vaut deux. À la fin, mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Non, 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 Dieu au milieu des cieux ne souhaite que nous accueillions quand on ferme les yeux. Le royaume, un homme averti en vaut deux. À la fin, mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Dites-le, demi, Dieu au milieu des cieux ne souhaite que nous accueillions quand on ferme les yeux. Dans son royaume, que t'accueillir, que tu manges avec lui et que tu vois son sourire. D'éviter l'enfer, ne plus te voir souffrir. Beaucoup d'entre nous s'en foutent, ils préfèrent même en rire. Alors qu'il suffirait de se repentir, se délester du péché pour éviter le pire. Think what happened, puis cash money bling. Si y'a pas qu'à promouvoir ça, y'a fait passer. Quelle place lui accordes-tu sur ton planning? Sachant qu'il veille sur toi every morning. T'es trop occupé pour y soigner ton standing. On voit qu'il est tout souffert et le king of kings. Dans ce monde où il le péché, mon boy garde la foi pour ne pas désespérer. My friend, my love, my God, now pardonnez my God. Yes, me brethren, sans que nous n'ayons, nous qu'à vivre. Et quand je le quai très passé, mais faut que ça fait les joutes à l'arrivée. Faut que vous parlez, je peux t'amorcer au bon budget. Almighty One. Un homme averti.
verdi en vos deux. À la fin, mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Non, 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 Dieu, oh plus les cieux, ne souhaite que nous accueillions quand on ferme les yeux. Yo, yo, un homme averti en vos deux. À la fin, mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Non, 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 Dieu, oh plus les cieux, ne souhaite que nous accueillions quand on ferme les yeux. Un homme averti en vos deux. À la fin, mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Non, 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 Dieu, oh plus les cieux. Aujourd'hui, quand j'entends parler, chaque jour c'est un frère de plus qui s'en est allé. Car c'est la mort et la haine qui se sont emparés. Les cœurs bougent, jamais la peine quand tu les voyais. C'est pourquoi, les joyeux, il faut que tu sois armé. Écoute bien les lyrics de la céleste armée. Car ils promettent l'amour et la vérité. Car c'est à suivre l'éternel qu'on a été appelé. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM. Il y a Madame Enel qui écoute Radio Respiration FM sur son BlackBerry. Alors, Madame Moderne, papa. Eh bien, vous suivez ma journée. C'est la dernière édition pour cette journée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est l'heure d'écouter la réflexion du jour. Vous allez découvrir à ciel ouvert une petite erreur dans l'enregistrement de la réflexion du jour. Au lieu de dire « Nous sommes le mardi 14 mai 2013 », eh bien, vous allez voir que la personne en question a dit « Nous sommes le lundi 14 mai 2013 ». Maintenant, la réflexion du jour. Sa parole pour aujourd'hui. Lundi 14 mai, partagez seulement votre témoignage. Vous serez mes témoins. Dans un tribunal, on ne demande pas à un témoin de plaider le procès ou de réclamer une condamnation. C'est le rôle de l'avocat. Les témoins doivent seulement raconter ce qu'ils ont vu et entendu. Et Jésus nous a dit « Vous serez mes témoins ». Votre témoignage est unique, votre histoire à nul autre semblable. Vous êtes le seul à pouvoir la raconter et si vous ne le faites pas, elle sera perdue à jamais. Vous n'êtes peut-être pas un grand spécialiste de la Bible, mais vous êtes compétent en ce qui concerne votre propre vie, n'est-ce pas? De toute façon, votre témoignage a davantage de poids qu'un grand sermon. Les gens considèrent les pasteurs comme des vendeurs spécialisés, alors que vous, vous représentez le client satisfait. Ils cessent d'être intéressés lorsque vous vous mettez à citer des théologiens célèbres, mais ils sont attirés naturellement par les expériences qu'ils n'ont jamais vécues eux-mêmes. Aussi devez-vous utiliser l'histoire de votre vie afin de construire un pont que Jésus pourra franchir pour atteindre leur cœur. Le témoignage de votre vie dépasse leur défense intellectuelle. Bien des gens qui n'acceptent pas l'autorité des Écritures respecteront votre expérience personnelle. Voilà pourquoi Paul, à 6 reprises, s'est servi de l'histoire de sa vie pour annoncer l'Évangile. Pierre a écrit « Soyez toujours prêts à vous défendre devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » 1 Pierre chapitre 3 verset 15. Remarquez les mots « Soyez prêts ». Pour être sûr d'être prêt, écrivez votre témoignage et apprenez par cœur les points principaux. Lesquels demanderez-vous ? Premièrement, ce qu'était votre vie avant de connaître Christ. Deuxièmement, le moment où vous vous êtes rendu compte que vous aviez besoin de Jésus. Troisièmement, comment vous avez décidé de consacrer votre vie à Jésus. Quatrièmement, le changement que sa présence a opéré dans votre vie. Maintenant, allez partager votre témoignage avec les autres. Pour nous changer les mentalités, nous yeah, esprits en individualité. C'est pas Jésus qui que nous qualité. Et bébé de dame sur nos camilités. Vous écoutez Radio Respiration FM. C'est esprit à individualité. C'est pas Jésus-Christ que nous qualité. Et bébé de dame sur nos camilités. Yaman, sur la sassé, pelanché prédé. Yaman, bye, Super Mike. Pour nous changer mentalité à ce monde-là, ça. Parce que les groupes, nous, ils ont servi eux-mêmes. Ils n'ont pas servi bon Dieu encore. Yaman,
C'est si bétail, mais n'est pas ça, ça. Listen. Il y a trop d'artistes qui ont perdu la vision. Il y a trop de vices qui s'installent en discrétion. Il y a trop d'artistes qui ont oublié leur mission. Et au lieu de ça glisse vers une forme de dérision. Qui est croque, mon cas dit, y'a qu'à travailler pour pas parler. Mais les frères, y'a bise, y'a qu'à quitter, y'a qu'à caler. Belle parole en bouche, à voir ça, y'a pas qu'à la sienne. On vous fait, on vite, y'a qu'à jouer, y'a qu'on calage. Pour nous changer les mentalités, viser esprit en individualité. C'est pas Jésus-Christ que nous qualités. Et de rêver d'un son, nous qu'à militer. Pour nous changer les mentalités, viser esprit en individualité. C'est pas Jésus-Christ que nous qualités. Et de rêver d'un son, nous qu'à militer. Regardez au monde, quel rapport entre la lumière et puis les ténèbres. Mais d'où vient cette idée d'un jour de devenir célèbre? Où vois-tu dans la Bible que c'est un homme qu'on élève? Que la gloire de mon Dieu soit le fruit de tes lèvres. Y'aura dit, y'aura servi bon Dieu. Mais en vérité, y'aura cherché bon billet. A pas même la peine de babiller. C'est bon Dieu celle qui à la fin des gens qui s'attrier. Pour nous changer les mentalités, viser esprit à individualité. C'est pas Jésus, c'est ce que nos qualités. Et de rêver d'un son nous qu'à militer. Pour nous changer les mentalités, viser esprit à individualité. C'est pas Jésus, c'est ce que nos qualités. Et de rêver d'un son nous qu'à militer. C'est du fait à bon Dieu nous commander. C'est du fait à bon Dieu nous commander. A commander du fait descendre là si c'est mon tala tala. C'est l'esprit ça seulement qu'a brûlé l'esprit tala tala. Faut pas nous garder nous mais songer travailler à papa là. Et là qu'avancer faut pas nous dormir pala pala. Pour nous changer les mentalités. Viser esprit à individualité. C'est pas Jésus que c'est nos qualités. Et de rêver d'un son nous qu'a militer. Pour nous changer les mentalités. Viser esprit à individualité. C'est pas Jésus que c'est nos qualités. Et de rêver d'un son nous qu'a militer. Regardez au monde, quel rapport entre la lumière et puis les ténèbres. Mais d'où vient cette idée d'un jour de devenir célèbre? Où vois-tu dans la Bible que c'est un homme qu'on élève? Que la gloire de mon Dieu soit le fruit de tes lèvres. Y'en est pour ça, ça, you need to save that. Oh, when I go by the shop, yeah. Represent Shama Sound System all time. Yeah, man, bless up. C'est bon Jésus, les ondes de la radio Réussi à FM à la une de l'actualité mondiale. Critiquer l'administration Obama justifie sa guerre contre les fuites. Strauss-Kahn à l'inauguration d'une banque du Soudan du Sud. Et en Haïti, l'ex-président haïtien Jean-Bertrand Aristide fait son comeback sur la scène politique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, gardez l'antenne. Dans un instant, nous serons de retour pour le développement de ces titres et d'autres. Messieurs, vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM. Maintenant, l'actualité mondiale. Très sévère dans sa lutte contre les fuites d'informations confidentielles, l'administration Obama a dû se défendre mardi, justifiant la saisie sans précédent de relevés téléphoniques de l'agence AP par un cas de force majeure qui mettait les Américains en danger. L'agence de presse américaine Associated Press AP a dénoncé lundi une intrusion massive et sans précédent du ministère de la Justice qui se serait secrètement saisi de 2 mois de relevés téléphoniques de l'agence et de certains de ses journalistes. Dominique Strauss-Kahn a participé mardi à l'inauguration de la National Credit Bank, nouvelle institution bancaire du Soudan du Sud, pays né en juillet 2011, d'une sécession du Soudan après un référendum
détermination. L'ex-ministre français des Finances et ancien directeur général du FMI a limité ses apparitions publiques depuis l'affaire de Sofitel de New York en mai 2011, dans laquelle il a été accusé de tentative de viol par une employée de l'hôtel. En Haïti, l'ex-président Jean-Bertrand Aristide a fait officiellement son retour sur la scène politique lors d'un point de presse en sa résidence à Tabar. Pendant 40 minutes, l'ex-chef d'État a répondu à des interrogations de ses partisans et attiré l'attention sur des problèmes socio-économiques. Le leader de Famille Lavalas a dit constater que les taxes sur les appels téléphoniques internationaux et les transferts de fonds représentent un problème pour les Haïtiens de la diaspora. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM. Dans la ville parisienne, le Parlement français a définitivement adopté mardi le projet de loi sur la sécurisation de l'emploi qui prévoit davantage de flexibilité pour les entreprises en échange de nouveaux droits pour les salariés, banque d'essai pour la réforme des retraites. C'est un coup d'œil sur l'actualité mondiale. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection. Je salue toute une panoplie d'amis qui écoutent Radio Respiration FM. Je salue mon petit frère Jonathan qui écoute à Michigan. Et Gerline Toussaint qui écoute en Haïti via son BlackBerry. Et autres personnes qui nous écoutent, je vous le dis franchement, eh bien, vous êtes branchés sur les ondes de la Radio Respiration FM. Et dans un instant, la chanson du jour. C'est l'heure d'écouter la chanson du jour, Nouveau départ avec Agueil. J'ai assez versé de larmes pour que ma gomme a fait.
Maintenant, c'est l'heure d'aller de l'avant, c'est l'heure de faire un kilomètre de plus. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM. Bien, mes chers amis, c'est facile comme le bonjour. Si vous avez des amis et qui sont aux États-Unis, ils peuvent écouter Radio Respiration sur www.respirationfm.com, www.respirationplus.com. Nous sommes maintenant à notre discothèque. Notre discothèque virtuelle. Et là, nous diffusons live, vous recevez live ma journée, la dernière édition de ma journée. Juste après, nous sommes live maintenant, nous sommes en direct maintenant. Mais vous pouvez partager cette émission avec vos amis ce soir. Après avoir écouté cette émission live, c'est simple comme le bonjour sur www.respirationplus.com. Et vous cherchez, n'est-ce pas, notre show « Ma journée » et vous allez découvrir à ciel ouvert la dernière édition pour cette date, pour ce jour-ci. Hein? Maintenant, c'est l'heure de vous offrir d'autres musiques, des musiques que vous n'avez pas écoutées sur d'autres stations de radio chrétienne en Haïti. Je fais allusion à la radio 4VEH, Radio Lumière et d'autres stations de radio qui sont en Haïti, Radio Tabernacle. On fait comprendre qu'il y a de nouvelles stations de radio là-bas. Je vous le dis, Radio Respiration FM, c'est la station de radio des générations futures. La musique. And God is glorious, and I am a conqueror, and that's only because of him, man. I am victorious, and God is glorious, and I am a conqueror. I came from pedal bikes on ghetto nights where brothers pedal white. Metal strike over them leather nights, them fellas tripe. Yeah, you can have a hype on something like a Nazarite. No braids, wave spinning, something like a paradise. An insatiable appetite for the afterlife is what has forced me to put the plow to the ground tonight. And I'm the ox, homie, the yoke of my pops on me. And I believe that the burden of every block's on me. Running this race like the feds and them city cops on me. They giving chase, but I fled and still got the rock on me. This is as real as it gets, and I'll say it many ways. I'm a renegade who ain't been afraid of the center stage. Most of the men in the church sweeter than lemonade, and about as useful as a hand grenade made of mayonnaise. I pray the Father would use me until my hair is gray and my hands decay from the work I did in the Savior's name. God will forever be. I am more than a conqueror, and I'm not ever stopping, cause I'll forever be. God will forever be. Proximity closer to God, literally. I done played the back for a minute beyond memory. Yo, I'm an eagle, the enemy warm pigeon me. My flight way out of sight, beyond vision me. I'm the epitome of the Father's delivery. My sound liberty, break chains eventually. He's fantastic from Grand Rapids to Manhattan. They selling sci-fi rap, fam, Pan's Labyrinth. When I spit real, no cameras, but all action. With all facets, he draws masses, the Lord's massive. I just wanna be ready, oil in my lantern. Clean from the inside, spiritual mind lanta. I'm growing in the Lord, no bottles and no pampers. And I release the junk of my life, fresh Sanford. It never made sense, Christ paying this man's ransom. Hey! When I was just as foul as a free throw, and one. God will forever be. I am more than a conqueror, and I'm not ever stopping, cause I'll forever be. God will forever be. I am more than a conqueror. I am important, I'm not ignored, and I am anointed. And every word I speak, it releases the Savior's ointment. Just like a date was set for my trouble to come upon me. There's an appointment with joy and freedom that's in the morning. My body's healed, I am no longer nobody's shield. This is the season for doing me, cause nobody will. If it was up to them, I'd probably be in the lobby still. With a shotty to your body like running, you know the drill. I went from selling O's to green, trying to cake up, to spitting heavy flows until the zombies awake up. Only God can realize there's Israel inside of Jacob. I lay aside the weight so that I could become the waiter.
We are so obsessed with the work of our Lord and Savior that we neglect the Lord of the work, like I see you later. Pencil in the appointment for prayer and then erase him. Then you want success like the Lakers when you're a pacer. Just for what he's done, you're my faith, and you never waver. I'll forever be, and God will forever be. And I am more than a conqueror, and I'm not ever stopping, cause I'll forever be. And God will forever be. And I am more, I'm not ever stopping, dont j'ai sur la zone de la radio Respiration FM, Victorious Conqueror. Nous sommes des conquérants, hein? Nous sommes victorieux. Et la musique maintenant avec Tabitha Lemaire. Je veux te louer, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Une note pour saluer toutes les mamans haïtiennes sur la zone de la radio Respiration FM. Sur les ondes de la radio Respiration FM, Radio Respiration FM, votre station de prédilection. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de voir comment ça marche avec notre studio virtuel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui se trouve dans notre discothèque virtuelle. Et nous sommes en train de voir comment ça marche. Dans un instant, vous allez passer 30 minutes dans l'étude de la parole de Dieu avec le directeur de la Voix évangélique d'Haïti. Il s'agit de notre collègue. Nous étions à l'Université chrétienne du Nord d'Haïti, étudiant la théologie. Il s'est rendu en Angleterre, là-bas. Il a trouvé une femme, il s'est marié avec Kate. Et maintenant, il dirige la radio 80H. Mais nous sommes sur la zone de la radio Respiration FM. Michel Insoli. À l'antenne maintenant.
Radio Transmondial a présenté à travers la Bible. À travers la Bible, c'est une série études bibliques que Dr. G. Vernon Magui t'a préparé pour aider à comprendre plus bien la vérité qui gagne dans la Bible qui c'est parole mon Dieu. Présentateur, Pasteur Storly Michel. C'est un grand plaisir pour nous rencontrer, je dis encore, dans l'étude biblique à travers la Bible. Nous avons continué avec série étude nous dans le livre 1 Thessaloniciens pour nous considérer 7 premiers versets dans le chapitre 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 pour arriver dans verset 7. À nous prochains côté Seigneur dans la prière. Nous pape jamais qu'à finir remercier au Seigneur pour parole et pour privilège nous gagner pour être capable d'étudier. Pas un mot qui t'a classifié pour ça. Mais bien que nous pas qu'à finir remercier, gon bagay ak force l'Esprit Saint nous qu'a fait. Nous qu'a dépouillé nous de toute impiété, retiré toute mauvaise idée, toute envie, toute convoitise dans tête nous, pour nous qu'a présenter devant, t'as qu'on y a un vaisseau propre, tout paré, pour propager le message de l'Évangile. Nous t'a remercié sans rien penser, pour nous vrais et authentiques, et offrir yon témoignage sans équivoque dans ces vaisseaux. Que la vie nous et Tijodia capable de servir seulement, Seigneur, pour gloire nous. C'est dans nos sauvés, Seigneur, nous, Jésus-Christ, parole qui était tout le monde que nous prions. Amen. Ou bienvenue dans l'étude là. Passage non, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 pour arriver dans verset 7. 1 Thessaloniciens, c'est un livre dans Nouveau Contrat. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 pour arriver dans verset 7. On entre dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Thème chapitre là, c'est Retour Christ là, c'est un espoir en action. Retour Christ là, c'est un espoir en action. Y aurait les Christ là va venir pour chercher l'église lié enlèvement. Y aurait les sa période enlèvement. Et ça c'est pas une doctrine nos besoin chita discuter, mais c'est une doctrine nos besoin démontrer dans la vie nous. Malheureusement, il y a un peu de monde qui croit c'est après période grande tribulation Seigneur va venir chercher l'église lien. Il y a quelques monde qui croit l'a venir avant période ça et quelques autres qui croit c'est pendant période grande tribulation l'a tourner. Et puis ajouter sur ça, il y a groupe monde ça yo qui pas même croit Jésus a tourner dit tout mais qui malgré tout déclaré yo mettez confiance dans lui comme sauveur yo. Donc il y a plusieurs idées différentes. Mais pour tout différents groupes monde ça yo gagnon seule question m'ta remen poser. M'ta remen mandé nan ki sens interprétation ou adopté a influencer la vie. Est-ce qu'elle gagnon impact sou? Donc zami, si ou ta remarqué elle pas utile ou rien. Si ou ta remarqué li pa gagne aucune influence positive dans la vie ou, m'pense ça veut dire ou ta besoin reconsidérer position là. Parce que attente retour Seigneur ta doit constituer une grande motivation dans la vie croyante.
Koulye a nan patre nan seksyon ki rele motivasyon e metode yon vre temwen kris. Motivasyon e metode yon vre temwen kris. Nou li nan 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1, nou menm frèm yo nou kon sa byen. Vizit mwen te fè la kay nou an, te bay bon rezultat. Apot Paul di, vizit mwen te fè la kay nou an, te bay bon rezultat. Se te kou se la ap di, le nou te vin la kay nou an, bon, konen Paul pat sel, sa fèn di, le nou te vin la kay nou an, se pat yon simple teori ou yon histwa imagine nou te prezante nou. Nou pat vin prezante nou yon bagay nef e modern ki pa gen aucun efè sou la vi nou. Nou pat selman prezante nou yon spektak pou distre nou pou kek jou e apre sa vire do nou kite nou. Dok Paul pat travay an vè. An fèt, li di travay li yo te bay bon rezultat. Le Paul avèk moun ki te avèk li yo te rive la vil Tesalonik, li te touche yon bon kantite moun e menen an pil nan moun sa yo nan konesans salvatris kris lan. E kon sa, yon l'Eglise te pren nesans la vil Tesalonik. Paul pat selman prezante yo yon teori ou yon filozofi, men al te bay yo yon bagay fonksyonel, yon pisans ki fe an pil impak la vil Tesalonik. L'Evangil nan tap gaye nan tout rakwen vil la, el te antre nan ke e nan la vi moun yo. Nou li nan 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 2, mwen te fèk soti la vil Philippe kote yo te maltrete man pil, kote yo te joure man pil. Men, bon diye bon fòs a kouraj pou mte ka anonse bon nouvel ki soti nan li ya, malgre tout oposisyon mwen te jwen. Mo grek yo itilize pou tradwi oposisyon isit lan se agoni. Yon mo ki vle di konfli ou anko agoni. Nan mouman le apot Paul te rive la vil Tesalonik lan, li ta fe eksperyans yon konfli e yon agoni enten prononse. Paul temwanye yo te maltrete l'anpil la vil Philippe. Travay chapit 16 rakonte nou sak te pase. Men le Paul te rive la vil Tesalonik, li te antre nan vil lan ak tout fòs li. Sa vle di, li pat kite eksperyans presedan, eksperyans malere la vil Philippe lan dekourajel. Li pat minimize l'Evangil lan. Apre eksperyans terib sa akeltre la vil Philippe lan, Paul pat di, bon, kouni am oblige chanje aproche mwen, pralonje jan pi diplomatik e pale mwen sou kesyon l'Evangil la. Non, li pat di sa, li pat fè sa kon sa. Paul pat yon kretien an kachet. Li proklame l'Evangil la la vil Tesalonik a vivwa, menm jan te fèl la vil Philippe lan. Te kou kapab kompran, eksperyans Philippe la te ka pousse Paul vin pi rasyonel. Paul te ka deside fòk mwen ta pi pridan. Fòk mwen ta menaje moun yo yon jan pou mwen ka fè plis zanmi e enfliyanse plis moun pou kris. Men sepandan, ti estrategi imen ak machandaj parol dous pat antre nan metode d'aproche apot Paul yo. Li te preche l'Evangil ak tout fòs li, e ni eksperyans malere l te fè la vil Philippe yo pat afekte performans li. Ki fè, jan te toujou kon fè la, lèl te soti Philippe rive la vil Tesalonik, Paul te preche bon l'Evangil, li te preche parol bon diye a, l'Evangil Jésus-Christ. Mes amis, ki te mande ou, si ou ta gen pou chwazi, ki mesaj nan tout mesaj apot Paul yo ou ta konsidere kom pi gran? Bon, mkwe si nou ta fè yon sondaj, si nou ta pèmèt nou tout ki nan eti la avèk nou repon, eh ben se seten repons yo ta tre varye. E sa fè sens, paske definitivman, Paul se te yon brillant predikate. Kapab mansyone, pe ekzamp, gran mesaj li te preche Damaskis lan, apre konversyon lan. Genye tou mesaj li te preche devan Paulus sou zile Sipre la nan komansman voyaj misyonel yo. Genye mesaj li te preche nan sinagog Antioch la nan peyi Pisidi pandan premye voyaj misyonel lan. E dapre mwen, sa se yon nan pi gran mesaj apot Paul yo.
Tandis ça me dit, m'dis c'est l'pi grand non, m'dis ça c'est yon nan pi grand message pour yo. Nous capable mentionner tout message li était prêché la ville Athènes sur place publique là. Message li était bail la ville Éphèse dans l'école Tyrannis là et défensio qu'elle était présenté pour tête li la ville Corinthe là. M'croit tout message ça yo, c'était une série grand message bien frappé, bon bagay. Paul en fait est un très grand prédicateur. Gen moun ki capable mentionner tout message li te bay la ville Jérusalem non, les ont été arrêté là. Ou bien message li te bay devant Félix, devant Festus ak devant roi Agrippa yo. Et kadou, message li te bay nan présence roi Agrippa mon cher, son chef d'œuvre, oui? C'était belle bagaille net. Ou encore, ka gen moun ki choisi message d'Adier que Paul te présenté ancien yo sur rivage là dans la ville Éphèse. Pa gen manque tout ça yo zanmi, m'ta dit c'est gogoze. Et gade pou wè, nan tout message li yo, Paul te toujours prêché Jésus-Christ. Li te toujours parlé sou la mort avec résurrection Christ là. Mais cependant, si m'ta gen pou m'choisi pi grand message apôtre Paul te prêché a, en fait m'pat va sélectionner yon nan message ke m'sot cité la yo. Alors, comprendre moi bien, c'était de grands messages, message yo te excellent, mais m'ta va choisi pito témoignage la vie apôtre Paul nan ville Thessalonique. Pi grand message Paul te jam bay, c'est pas yon bagay li te écrit ou soit te dit, mais c'est nan façon qu'elle t'a vive là. C'est témoignage li. Pi grand message liyan, c'est pas nan yon présentation de vè, mais c'est nan expérience personnelle li, non pas nan yon profession, mais nan la vie pratique là. Li prend parole que nous jouons dans Jacques chapitre 2 verset 26 là. Même Jean yon corps qui s'en âme, c'est yon corps qui mourit, qu'on sait tout, confiance nan bon Dieu qui pas marché ak fait ça qui bien, c'est yon confiance qui mourit. Li prend parole sa yo, elle fait yo tourner référence li. Sur route la ville Thessalonique. M'kwè zami, chaque chrétien sans exception, c'est un prédicateur. Bon, peut-être ou ka di ma passe m'pa te passer dans séminaire. Peut-être ou ka pa trop remen yo rele ou konsa, mais ça pas empêché ou c'est un prédicateur si ou c'est un chrétien. Ou pa ka éviter ça. Que ou vle, que ou pa vle, c'est prêcher ou a prêcher l'évangile. Avec qualité la vie ou ap mener. La vie ou en lui-même, c'est un message. Peut-être, c'est aksimoun yo la kaela, message la vie ou ap parler. Et m'kwe, ça c'est une raison qui fait gen toute quantité jeune sa yo qui la gué. M'ta dit, yo la gué dans toute la rue, dans tout petit corridor à grand route nou yo konza. Sa krive, ti moun sa yo te observe maman ak papa la kaela, et yo pat remen sa yo te wè a. Par conséquent, yo prend rage pour yo, yo lagué dans la ria. Zami, chaque chrétien, c'est yon prédicateur et puis grand message ou va prêcher, c'est façon que wap menen vie là. Paul, dans verset 3 à verset 6, yo, va raconter nos qualités message qu'il était prêché dans la ville Thessalonique et ensuite décrit qualité relation qu'il était gagné avec yo. Verset 7 là démontré l'été tant qu'il y a un moment pour yo en façon l'été réconforter yo. Non verset 11 là nous va joindre l'été tant qu'il y a un papa pour yo en façon l'été prend yo en charge. Et verset 14 là va montrer l'été tant qu'il y a un frère pour mon la ville Thessalonique yo en façon l'été motivé yo. Colianoli dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 parce que elle m'a parlé avec moun c'est pas menti m'a bail. Ni mwen pa gen anken mauvaise idée de tête mwen, ni mwen pa chache tromper personne. Parce que le m'a parlé ak moun, c'est pas menti m'a bay. Donc Paul a dit, li pat fè ire nan message li ta présenté yo a. Message li yo pat falsifié. Li pat adouci ou soit dilié l'évangile. C'est-à-dire que le moun mette de l'eau dans l'ait, li pat fè ça. Li pat change l'évangile là nan propre intérêt ou encore pour faire un petit groupe monde plaisir. Personnellement, yon nan bagay ki inquiété mon pile par rapport à quelques prédicateurs, c'est que ou capable tande yo ba yon bon message, yon message
bien clair, bien précis cet là et puis rivé en l'autre côté, yon côté qui li même tout besoin même bon message clair et précis au débat en avant, et ben rivé l'autre côté ça, yo changer physio d'épaule pour yo bay yo message trouble, yo message qui pas fait aucun sens. Et ben Paul lui-même li pas comme ça, il était consistant, il était toujours carré et bien clair dans sa t'a dit. Il dit elle m'a parlé avec moun, c'est pas menti m'a bay. Ça veut dire les pas t'a chercher décevoir ou tromper aucun monde. Les continuer pour dire ni moi pas gain aucun mauvaise idée dans tête moi. Mauvaise idée ça yo a parlé principalement sur sensualité avec envie. C'est pas pour valet offrande là ou bien pour grand renommé apôtre Paul d'aller la ville Thessalonique. C'est pas avantage propre tête li l'étape chercher. Mais elle t'est venue à toute quelle sans aucun mauvais idée de tête li. Non sans ça non capable dit pas de rien crochi en ken sa qui pas droite dans motif li yo. Et puis il dit tout ne moins pas chercher tromper personne. Paul a souligné les pas utiliser yon mauvais méthode pour ta essayer prendre un plan. Li pat réduit et standard yo nan objectif pour ta faire préjuger ak l'envie ancien ati yo plaisir. Li pat essayer utiliser aucun trick pour attirer la chair péché noir. Alors rivé nan point ça, mon kwè gen pile bagay nou ta ka apprendre nan men apôtre Paul. Yon le te konnen yon pasteur, yon très grand prédicateur, li te kon prêcher bien. Mais m'te perdi tout respect que m'te gen pour monde ça là qui m'apprend li té tourné servi comme pasteur dans yon l'église quand elle était déjà pasteur avant ça là qu'elle té connaît bien propre façon monde l'église ça t'a critiqué pasteur actuellement et m'se té même joué sur ça li té même encouragé moun yo fait ça ah zami m'pa kwè Paul t'a jamais fait bagarre comme ça non Paul pas de compte servi à aucune dissension. Aucun pote a allé pour te vini tacler l'autre monde bay kounan do non Paul pas jam kon bay aucun coup de bas pour prêcher l'évangile. En fait tout le monde qui a pensé yé parole bon Dieu t'a dû prendre un petit temps pour poser tête les questions sur sa motive elle fait ça l'affaire. Li t'a dû analyser pour connait si gain aucun malice, aucun mauvaise idée ou aucun envie dans tête li. Zami, nous doué honnête ak tête nous. Nous doué questionner motif nou yo. Pour qui ça n'a fait ça n'a fait? Est-ce que c'est pour augmenter renommé nous ou bien pour monter dans une place influent qui fait n'a penser yé parole bon Dieu? Ou bien est-ce que tout bon vrai c'est peut-être parole bon Dieu en lui-même qui fait n'a prêcher? Honnêtement, zami, bon, doué confesser que me fait en pile erreur dans la vie. M'tellement manqué bon Dieu parole franchement même étonné bon Dieu continuer manifester miséricorde lui pour moi mais cependant zami gon bagaille incapable mentionner m'songé l'aime t'a pas entré dans ministère pastoral m'te promettre bon Dieu pour m'pas jambe bay mon coup de bas franchement m'connais ministère pas toujours facile et que m'ta gain pour moi rencontrer en pile difficulté mais Seigneur était toujours bon pour moi. Parce que bon Dieu était déjà connait que m'étais tout paré pour m'ta courir quitter ça si m'ta joine occasion faire. M'très reconnaissant que dans moment ça même m'capable camper devant Seigneur pour m'confesser. Bon Dieu m'fait en pile erreur, m'pas manquer pas décevoir mais cependant m'étais prêcher parole au an dans plus bon façon que m'étais capable. Si m'étais qu'à faire mieux m'ta vel. Mais ça m'fait coulier à c'est ça qui pi bon que m'ta ka faire dans grâce. Évidemment, ça c'est un passage moi mais en pile. Paul te ka dit chrétien la ville Thessalonique yo, l'aime vin la kainou, m'ta remen nou konnen m'te vini sans rien penser. C'est pas offrande nou ta ka ban rien qui te motive. M'pa de vin profiter de nous. M'te seulement vini pour prêcher nou l'évangile et ensuite fortifier nous dans la foi. C'est objectif ça m'te gagné, c'est ça qui te motive vin la kainou. Et avec qualité bel motif ça yo zami, yon prédicateur te met la gué de guidon sous bécane prédication l'évangile.
certainement on va toujours gagner danger sur route là, mais si ou vini Jean-Paul vini là, bon Dieu fidèle là va conduire et protéger petit Léo. Si ou quitte bon Dieu dirige aux amis, la mène au côté ou doit vivre. Colia non li nan 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Au contraire, moi t'ai toujours parlé Jean bon Dieu vle là. C'est bon Dieu qui connaît ça qui nan kè moi. Les femmes confiance, les ban moi bonne nouvelle là pour m'annoncer. C'est ça que fait, c'est pas les hommes m'a chercher faire plaisir, mais bon Dieu qui connaît ça qui nan kè moi. Expression les femmes confiance là vle dit bon Dieu t'est testé et t'est approuvé Paul. Paul a dit li pa yon novice, pou nou ta di yon just come. Li pa tap mache fè l'homme plaisir, ni l pa gen l'ambition vin populè. Paul pa tap chèche fè non pou tout moun a pale de li, non? Le Paul prêche, li pa tap prêche yon façon pou ta konnen sa moun pense de li, mais pito sa bon Dieu nan ciel la ta pense. Paul te passé en bas test, nou ta ka di tout examen bon Dieu a, elle te réussi. L'été réussi parce qu'elle pas connait utiliser aucun trick ou aucun malice dans méthode prédication liyo. Rivé dans verset 5 et Thessaloniciens chapitre 2 nous lit nous-mêmes nous connons ça bien. Moi pas jamais servi avec parole qui pour flatter monde. Ni moi pas jamais prend aucun prétexte pour chercher faire l'argent. Moi prends bon Dieu pour témoin. Aucun noté Paul a parlé avec toute franchise. Li di, m'pa jam servi ak parol ki pou flatte moun. Li pa jam kon achete figi moun richyo nan kongregasyon an. Li pa jam eseye jwenn fave oken moun. Dapre mwen, flatri dezame nou. En fèt, nou pa jam vreman konnen sa pou ndi devan. Le yon moun ap kritike, bon, m konnen koman pou m repon li, men m'pa jam konnen non sa pou ndi lese flatte yon moun ap flatte m. Flatri dezame nou. Te gen yon clown nan yon pièce Shakespeare te ekri, yon pièce ki rele 12th night ou bien 12e la nuit lan ki te di, sa se clown nan wi ka pale, e li di, en fait, zami mwen yo felicite m, ensuite yo pase m nan bêtise. Men moun ki pa vle wèm yo, di m tout carré, mwen se yon imbécile. Kon sa, quant a moun ki pa vle wèm yo, mwen gen yon pi gran connaissance sou tèt mwen. Quant a zami mwen yo, moi si bi déception qui veut dire parfois zami nou yo soit moun ka flatte nou yo kon beaucoup pi dangereux passer l'ennemi nou yo donc apôtre Paul pa jam kon utiliser flatterie m konnen gen yon groupe leader l'église a fait bon à travers pays a qui littéralement vini esclave moun ka flatte yo si yon ministère chrétien ou programme yo la dan lan pa flatte yo ou soit si kre ke yo en ben moun sa yo pa sou bo ede ministère sa ak sen kòm menm se flatri ak fè yo mache mda di sa flatri yo mache m kwe ke bon di fè l mal pou l'église ou bien ministère sa yo ki depann sou moun ki remen yo flatte yo moun ki remen yo pale de yo anvan yo bay ti contribution a bay la parce que ça c'est une malédiction yo qui gagne sur l'église locale yo nan jounou yo. Apôtre Paul dit m'pa jam prend aucun prétexte pour chercher faire l'argent. Est-ce que nous ka dit ça jodi a tout? Bon, gen traduction qui dit tout manteau convoitise. Ça veut dire li pa jam kon utiliser manteau convoitise là. Personnellement, m'pa kwè c'est l'argent qui pi grand problème ministère. Docteur Magui dit li pa joine que l'agent te présenté yon gros tentation pou moun li te konnen yon nan ministère. Mais quand ta pou manteau convoitise la li même, li vini sous toute forme et nan toute couleur. Gen moun c'est l'agent y a convoité, mais gen l'autre c'est l'honneur, célébrité à gros position qui fait zizi au bat. Zami, mkwè nou besoin chercher bien fond nan ke nou pou nou démasquer toute convoitise cachée. Dans les Thessaloniciens chapitre 2 verset 6 nous lit moi pas chercher louange dans mes personnes ni dans mes nous ni dans mes autres monde. Donc Paul pas jamais qu'on chercher position à cloner. Li pas jamais recevoir une qualification honorifique.
motif li yo te pi, li pat gen aucun arrière pensée. Section n'a pas entré là-dedans qu'il y a relé aspect maternel ministère apostolique là. Aspect maternel ministère apostolique là ou encore réconfort. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. C'est pas capable, moins pas ta capable faire nous sentir autorité Christ là ban moins ta quoi apporte li. Non, au contraire. Pendant tout temps te la kaino, moins te agi avec douceur ta kou yon maman ka prend soin petit li yo. Mot maman ici là vle di yon maman qui nourrit, yon maman ka prend soin petit li ta kou yon maman poul ka prend soin petit li yo. Et ça c'est expression positif. Relation à Paul te gagne avec chrétien la ville Thessalonique yo. Li di m'té tan kou yon maman ka prend soin petit li yo, tan kou m'ta di yon maman poul. Ala Paul te gentil. Li te aussi tante que yon maman, aussi tante que yon fille nan façon te agi avec l'église Thessalonique lan. Ou ka songe Seigneur Jésus te di la ville Jérusalem nan Matthieu chapitre 23 verset 37. Jérusalem, Jérusalem, ou même qui touye prophète yo, ou même kap touye moun bon Dieu voye ba ou yo a kout roche, depuis longtemps, moi te vle sembler moun ou yo tan kou maman poul kap semble petit en bazel li, mais ou pa te vle. En fait, Seigneur Jésus identifie tête li nan plusieurs façons dans Bible. Li rele tête li, par exemple, bon berger ki baye la ville pou mouton yo, li protege mouton yo, et yon jour, li va rassembler yo tout ensemble nan yon même pack côté yo va en sécurité avec li. Et au cas où li utilise tout, ta konwè sa nan Matthieu chapitre 23 verset 37, image maman poule ka prend soin petit li yo. Docteur Magui di, c'est un des hommes te grandi. Et me songe nan saison printemps, nou te kon mete yon ancien maman poule chita sou kekze. Anvan longtemps, maman poule ta a te déjà gen yon défilé ti poule k ap mache de elle. L'été marché dans toute la cour à gazouiller. Elle la pluie était commencé tomber, ou t'es qu'attendait maman pour là qu'a gazouiller sans arrêter pour les petits poulio vinn dans caloge côté oritéa. Mais parfois yo pas gain t'arriver dans caloge là. Donc là comme ça, maman pour là t'va rassembler tout petit poulio et puis le couvrir en bazel yo. Ou t'es qu'a ouais la pluie a qu'a couler comme ça sous pli maman pour là. Mais petit poulio yo même, yo t'es bien protégé. En bazel li yo. Combien fois, ami, Seigneur a invité nous vin pran repos en bazel li, mais nous refize? Donc, ou kawè, se yon pasteur ou bien yon leader kon sa apot Paul te ye. Li te remè chrétien la ville Thessalonique yo, ta kou yon maman remè petit li. Yo te chè pou li en pil. Et m'vle kwe toujou gen kalite bon pasteur sa yo nan ministère toujou. Peut-être yo kapa gran orate, mais yo kwè nan parole bon Dieu et yo proclamé la toute force yo. Qualité pasteur consacré et plein expérience sa yo zami, yo amezi pou yo conseiller et diriger peuple bon Dieu ki nan besoin yo. Et si ou ta gen un petit problème comme membre l'église, ou pa besoin pèchi ta louvri kè ou ba yo. Ça veut dire ou pa besoin pè gen yon franc conversation sur la vie a qualité bon serviteur bon Dieu sa yo. C'est pas tout non, mais gen sa ki bon. Et puis concernant arriver dans fin programme non pour journée. Moi voulais remercier de ce que vous avez passé temps ça avec nous dans étude parole bon Dieu. Moi voulais quoi bon Dieu t'ai servi avec étude jodia pour édification d'amour. Et en attendant nous rencontrer dans prochain programme si bon Dieu voulait, n'a quitté au la présence grand maître là. Merci en pile parce que vous êtes là avec nous pour journée pour écouter une autre émission à travers la Bible. Ou capable coûter ou bien joindre l'autre ressource étudio 24 sur 24 dans site internet nous qui c'est ttb.twr.org/créole ou bien écris-nous par email dans adresse créole@twr.org. créole écrit CREOLE créole@twr.org. À travers la Bible, c'est en production Storlie Michel pour Radio Transmondiale. Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM.
send our prayers up to the sky. Vous êtes branché sur la zone de la radio Respiration FM. Ce soir, c'est cool, hein? C'est cool, 30 bonnes minutes de musique sur cette longueur d'onde. C'est chaud sur nos ondes, Prince of Peace, Nothing to Dread. Vous avez tous les amis qui sont branchés. Je vous rappelle que vous pouvez écouter ma journée tous les matins sur les ondes de la radio Respiration FM, dès 5h du matin. Hein? Écoutez ma journée de la bonne musique sur nos ondes. Respiration F. Besoin qu'on ait l'amour pour du guet pour.
Mr. Stinkton, qui se sont là ça? Mr. Westdale, qui t'a